I want just to tell you a little bit about the idea of making this documentary. I start to follow what's happening on the Alpine border between Italy and France at the end of 2017. The recent policies of closing of the internal border of the Europe have pushed migrant people in search of some, I don't know what to say, less traveled roads to leave Italy and to continue their journey beyond the border with France and so on. So in the recent years, the Alpine Road has once again been crossed by many people, but it's not a new route of immigration like the Italian mainstream media said, but this is a route that has been used for millennia. We are used to thinking about the mountains as a physical barrier, a natural border, but the truth is the Alps are from hundreds of years a place used to exchange between peoples with different cultures, with different lifestyles, with different languages. And in the last 200 years, there have been about 300,000 Italians who have crossed this border, this Alpine border between Italy and France, on the same path that today are crossed by people from Africa, but not solely. And for this reason, we decide to tell this story about through the graphic novel you see in the film, with the beautiful illustration of by Emanuele Giacopetti. We tell this story because we decide to start to tell this story from the territory, from the mountain, from the story of the mountain, but also from the inhabitants of the mountain, because the mountain it's a difficult place to live. It's a place who push the people to stay together, to help each other, to make a community. So we want to tell this story because this route in the last year was a major route crossed by a lot of people, and we see in 2020 we have a lot of people coming in Ulks, in Bardonecchia, in Claviere to cross the border with the France. But you see in the film, so this route on the Western Alps cross inside the Milky Way sky area. It's La Via Lattea in Italian, and there are 400 kilometers of sky slopes that run along the entire border area between Italy and France. And the claim, the slogan of the website of the Milky Way, laviolattea.it, it's sky without borders. So this is a great contrast between the mountain. In the day, it's a place to have fun, it's a place to have sports, to relax, and the same place in the evening, in the night, become a dangerous place where people dying, where people were arrested, where the rights, the human rights of the people, it's a story. I think it's a story that we need today, because we need to do another storytelling of migration. We used to ending the documentary with this idea, with the passage of the crossing of migrants dressed like as skiers. So
But like Rosa say, I like to make documentary about border, not just only about border, but I do a documentary in 2017 about the Turkish-Syria border, because we have some, I think, responsibility about what's happening to the people in Syria, in Greece, in the Balkan route, like on the western border of the Alps between Claviere and Monginero, like Calais, and so on. A thing, because since the solidarity is the heart of this documentary, I want to tell you what's happening tomorrow in Ulx. Ulx, it's a little village in Italy near the France border, and in this village the people, the migrants arrive in with the train in this little village, and after they try to walk crossing the border, and we are two shelter in this little village, and one of these shelter was evicted today by Italian police. And I think this is a real shame, because solidarity is not a crime, and there is no border that can stop it. It was for sure very emotional, especially in some situation like the maraud, like you see in the movie, when the people of the mountain go on the paths in the night between Claviere and Monginevro to help the people who try to cross the border, and that moment was very emotional, but I think we have some difficulties, but we were prepared to challenge these difficulties. It was cold, it was difficult. I can say maybe the big difficulty was talk with the migrants, especially in the Refuge Solidaire in Briançon, because when you talk with some person, with the people, and you have a camera between you and him, and so it's difficult, but we just to consider the people like not like objects, but like subjects, and the people. We do a lot of talk with the migrants, especially outside the camera, not in the camera. Now we do, I think, 3-4 interview with the migrants, but was very strong. So. I don't know if I've answered to the question, but the time that I followed the question from 2017, we shoot the film between January and May 2019, and all this incredible travel was so emotional. No. With some migrants, I see them after some months. I come back in Briançon, and some people, I think 2-3 people, were there. But the people who arrive on the border and in Briançon, maybe the same day, maybe the day after, but they go because we want to. They want to continue the journey. Not all the people stay in France, but some people, like Mateus in the documentary, he go to Portugal, some people in Spain, some people in Germany, and it was difficult to stay in contact with them. I meet a guy from Guinea,
Conakry, and he go in Paris, I think. But the after today, he come back in Briançon. So it's difficult to stay in contact with the people. But we are more in strong contact with the solidarity network in Italy, but also in France. Milky Way was released in Italian theaters, cinema on the 10th of February 2020. So after 10 days, we have to stop because of pandemic. The cinema was closed by Italian government, and the whole 2020 was terrible. Was terrible because a lot of people die. So I just talked to cinema, but was really hard because the first reaction, the first feedback from the audience was really, really good because we have three premiere in Italy, one in Bologna, one in Brescia, one in Torino. And we have five shows sold out. We have 1,200 people to all the show. And we have, I think, something like 14 or 15 other screening in Italy in March and in April. But we have to stop completely. So this was a shock for us. This was a big problem, economic problem. But when the cinema reopened in 15th of June, we do a lot of screening in June, in July, August, September, and after the 26th of October, another lockdown, another closure of the cinema. So at the moment, the cinema in Italy is closed. Are closed, but we hope to start again to screening the movie, but to talk with the people because this is the powerful thing of this situation. I remember it was the end of 2017. I think it was the holiday like Christmas. Between Christmas and New Year's Eve, and I was in Bardonecchia train station, and there is a lot of people because Bardonecchia it's a tourist place when people go to ski, and in this situation it was surreal to see I think six or seven African guy. Who are there, it was a winter with a lot of snow, so the people wait in the train station watching the sky, watching the snow, I think that sometimes the people maybe me, maybe you, maybe all of us. And we do some border between us and the other people, and we have to break this border. And maybe sometimes it's just to go to a guy and say hello, how are you? Do you know where you are? Do you need something? And the story, of this movie, and because I do this documentary, it's this. It's just this. So it's a little NGO in Grand Sainte called Walking in Street Essence, and we do help people in the jungle since 2013. So first in another area of Dunkerque, but still around the city of Dunkerque, people got dropped there, the same as in Calais, and we have the same images. So the people in the jungle. Et oui, je devais continuer en français. Je vais vous montrer juste quelques secondes. Ça, c'était au mois de janvier. Hi there. Hi. How old are you guys?
How old are you? 18 in Mahoma. 18? Both 18? Okay. How long have you been in the jungle? 2 months. 2 months in the jungle? Okay. And now how are you dealing with the snow? How are you doing with the snow? Do you sleep in the tents here? You sleep there? Yes. How many of you? Shal? How many people? Three people? No problem, no problem. Donc voilà, c'était intéressant pour nous de parler des mêmes images, des mêmes décors au travers de toute l'Europe avec Luigi. Donc, vous avez vu des images de neige à Dunkerque, des images de neige dans les Alpes ou en Grèce. Et voilà, je voulais faire un lien avec la cruauté parce que la dureté du non-accueil, ça laisse peser pas mal de choses sur l'effectivité des droits humains et surtout sur... La disparition de la torture et des traitements inhumains. Je vais vous montrer ici, ça c'est le préambule de la Déclaration des droits de l'homme de 1948. Et donc à gauche, en bas à gauche, vous avez des photos d'Abdoul Sabor, qui est un photographe afghan. Vous voyez donc les messieurs qui sont avec les protège-bottes. Ça c'est la compagnie républicaine de sécurité, qui pendant le mois de décembre est venue quasiment tous les 2 ou 3 jours démanteler. Donc, c'est-à-dire retirer les affaires des gens, ce qui pousse à mettre toute leur vie dans des caddies. C'est ce que vous voyez, les caddies. Ça sert à remballer le plus vite possible ces affaires parce que les affaires sont détruites. Au milieu, vous voyez une de nos distributions de Ludo et d'Alex qui font des sacs individuels. Donc, on prépare des sacs individuels dans des différentes tailles. Afin que les gens puissent prendre un sac et puis partir tout de suite se changer avec tout le nécessaire. J'ai pris la photo à droite après un démantèlement. Donc voilà, ça représente un peu ce que je pense de l'effet que ça peut avoir sur cette jeunesse, le dégât humain qu'on cause, hein. Pas simplement à ces gens-là, mais à tous les gens qui en font partie, parce qu'il faut penser aussi à des bénévoles qui sont en dépression après des années d'aide qui tournent en rond et qui vont nulle part. Mais il faut penser aussi à ces enfants qui ne vont pas à l'école. Et voilà, cette poupée, la distribution du pain. Voilà, je pense que ça représentait bien la situation à Grande-Synthe. Une autre que vous avez sûrement vue dans les journaux au mois de décembre, ça c'est Louis Viter, un journaliste français, un parisien, qui a surtout couvert les gilets jaunes pendant l'année écoulée. Il est venu à Grande-Synthe et Calais pendant 2 jours. À Calais, il a été complètement empêché de travailler. À Grande-Synthe, il a travaillé quelques minutes et donc il a pris cette photo, on était ensemble. Voilà, ça vous montre un peu... disons que c'est la concrétisation d'une politique, le couteau qui rentre dans cette tente. On disait tout à l'heure avec Luigi de l'illogisme, et pour moi ça représente surtout un manque de logique dans le sens où cette tente elle a été achetée par une association qui vient en aide aux personnes vulnérables comme nous. Nous avons le droit de faire une attestation pour défiscaliser ce don, donc cette personne française ou non, résidant en France en tout cas, qui nous a fait un don, on va lui faire une attestation, elle va être défiscalisée de son achat de tente, et c'est l'État français qui l'a détruit. Donc voilà, on en arrive à des illogismes comme ça, comme disait Luigi tout à l'heure. Je vais essayer d'aller assez vite sur les dernières. Ça, en bas, c'est Isabelle Serrault qui est venue faire un reportage, et donc vous imaginez les conditions. On retrouvait la même chose chez Luigi, on retrouve les mêmes choses en Croatie, en Bosnie ou en Grèce. On disait tout à l'heure que c'est toujours les mêmes décors. Il faut savoir que le procès Maouda, la première instance, a eu lieu, et ce qui m'invite en tout cas à réfléchir sur ce qu'est la valeur de la vie humaine, surtout en ce moment avec la pandémie. Quand on met tout en œuvre, quand on arrête des pays entiers pour sauver des vies, est-ce qu'il ne faut pas aussi sauver les vies de qui, enfin de tout le monde plutôt. Et voilà, sur la gauche, vous avez le petit Ardine. Je l'ai vu la semaine avant qu'il embarque dans un Zodiac. Je ne vais pas vous la passer en entier, mais ça, c'est... Atim Baba.
C'était avant d'embarquer. Et c'était avant d'embarquer. Et malheureusement, sa famille et lui-même ont été. Sont disparus en mer. Et on a mis plusieurs mois à retrouver le corps de Hardin qui est là, qui a été retrouvé en Norvège. Donc voilà, je pense qu'il faut avant tout penser aux conséquences réelles. Et ça, ce sont les conséquences réelles. Je vais vous montrer une autre conséquence réelle et après, ce sera presque fini. Voilà, ça, c'est Bilal. Bilal, je pense que beaucoup de gens qui sont impliqués dans les associations en Europe le connaissent, puisqu'il a été... Il a suivi beaucoup les pushbacks en Bosnie. Donc, c'est un réfugié. Il est parti il y a 3 ans de chez lui, un Kurde, pour des raisons politiques. Et il a suivi tout son périple. Beaucoup de gens, comme moi-même, l'ont suivi durant son périple. Et puis, je l'ai rencontré quand il est venu à la jungle de Grande-Synthe, donc en septembre, où il est resté jusqu'au 31 décembre. Là, c'est une photo de Laurent Caffier, qui est un des derniers délinquants solidaires de Calais, qui l'a un peu customisé. Ici, c'est des photos de différentes journées de Bilal. Il faisait vraiment des photos de tous les jours. Il va bien. Aujourd'hui, il a une assez bonne nouvelle. Il est à Londres et il sera plus enfermé à l'hôtel à partir d'aujourd'hui. Mais ce que je voulais surtout vous dire à partir de Bilal, c'est que... comment dire, on se sent pas encore accueilli quelque part, et je pense que c'est pour ça aussi qu'on voulait inviter Europe Must Act. C'était pour voir des alternatives à cette politique de non-accueil, cette alternative, des alternatives à justement un voyage sans fin et en errance. Je vais terminer là-dessus. Là, c'était sur les conséquences humaines, parce qu'on s'imagine pas toujours, même grâce à un film comme celui de Luigi. Et donc ça c'est Bilal qui passe la frontière slovène. Voilà, le manque de logique qui pousse quelqu'un à se cacher dans les amortisseurs d'un camion sur l'autoroute. Donc il va bien, et c'est des images qu'on voit pas souvent, mais je pense que c'est important de savoir à quoi on pousse les gens. Et la dernière chose, ça reste là-dessus, donc ça c'est une passerelle qui va parler maintenant pour le droit d'asile. Europe Must Act aussi pour des alternatives, parce qu'il nous en faut, heureusement. On va parler aussi peut-être de l'accord avec la Turquie, et là on va quand même rebondir sur le film du coup de Luigi Binchette. Et je vous ai mis aussi en bas, si vous arrivez à les retrouver, ils sont en libre accès. Donc ça, c'est les constatations des pushbacks, surtout dans les Balkans, où il se passe des ignominies, voilà, des tortures, etc. Acero, c'est Human Rights Observer, et eux, ils travaillent à Calais. Voilà. Alors, donc je vais peut-être rapidement présenter Passerelle et ce qu'on fait au Luxembourg. Donc, on est une association, donc on a été créée en 2016, et donc on a une cellule de veille et d'action juridique en matière d'asile. Et donc, notre but, c'est on rencontre les personnes pendant les permanences, donc des demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires. Et le but, c'est de les accompagner dans la procédure, et de veiller à ce que ces personnes-là aient un accès direct et effectif à leurs droits. Donc, voilà, donc notre objectif global, comme le disait tout à l'heure Clément, humaniser le droit d'asile, donc contribuer à garantir le respect des droits de la défense en matière d'asile des personnes au Grand-Duché de Luxembourg. En fait, donc, le documentaire donc, qui parle notamment du passage à la frontière franco-italienne des demandeurs de protection internationale. En fait, pour nous, le lien, il est très... on fait très rapidement le lien avec ce qu'on appelle donc, le règlement Dublin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Luxembourg, le cadre légal de l'asile est basé sur le droit européen. Donc, il y a un paquet, ce qu'on appelle un paquet asile. Et dans ce paquet, il y a ce qu'on appelle le règlement Dublin. On en entend souvent parler parce que c'est ce qui bloque en fait au niveau européen, au niveau des négociations.
Donc, qu'est-ce que c'est que le règlement Dublin? C'est un règlement qui va établir les critères et les mécanismes de détermination d'États membres qui va être responsable de l'examen d'une demande de protection internationale. Ça veut dire que le règlement Dublin, il va mettre les critères pour déterminer qui sera responsable de dire si oui ou non une personne peut être bénéficiaire de la protection internationale, donc réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire. Alors, quand on regarde le documentaire, il y a des choses qui nous font penser, des expressions qui nous font penser directement à ce règlement. Je pense notamment quand donc il y a un jeune Malien à un moment donné qui mentionne les empreintes. Et en fait, ça, les empreintes, donc dès qu'une personne entre de manière irrégulière dans un État membre, ces empreintes sont prises. Et en fait, ça, les personnes qui viennent demander l'asile en Europe ont bien ça en tête et comprennent bien que, en fait, ça veut dire la prise d'empreintes, ça veut dire que si une personne entre de manière irrégulière, donc notamment par exemple en Italie, on prend l'exemple de l'Italie, la personne continue le chemin parce que les conditions en Italie ne sont pas, dans certains cas, conformes au droit, et donc continue, veulent demander l'asile en France par exemple, et donc le fait que les empreintes aient été prises en Italie va faire que la France va déterminer probablement que l'État membre responsable de la demande d'asile sera l'Italie, et donc la personne risque d'être transférée en vertu de ce règlement de nouveau vers l'Italie. Donc ça, c'est un des exemples. Il y a un autre exemple qui est aussi très parlant, c'est quand donc il y a une personne qui dit « Non, mais on n'aura qu'à dire qu'il est majeur, ce jeune-là. » Et en fait, ça, c'est très parlant parce que le premier critère pour déterminer quel État sera responsable de dire si oui ou non une personne peut avoir une protection, c'est la minorité, en fait. Et donc, la minorité, c'est une problématique qui est très importante et qui... Et oui, ça pose de gros problèmes parce qu'on va avoir des États membres qui vont parfois, parce que la protection d'une personne, qu'elle soit majeure ou mineure, ne va pas être la même. Un mineur, s'il a traversé les frontières de manière irrégulière, donc comme je disais tout à l'heure en prenant les empreintes en Italie, s'il est mineur et il arrive au Luxembourg, ce sera au Luxembourg de prendre en charge sa demande d'asile s'il dépose une demande d'asile. Donc, on voit que ça a des conséquences énormes sur l'État qui sera responsable. Et bon, on a rencontré aussi des problèmes, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais il y a des déterminations de l'âge d'un demandeur d'asile et ça pose parfois des problèmes. Et donc, un pays où il y a un mouvement secondaire comme la France ou le Luxembourg aura intérêt entre guillemets à ce que la personne soit majeure parce qu'elle pourra le renvoyer. Et on a eu des cas où l'Italie déclare la personne mineure et où la personne vient ensuite dans un, alors en l'occurrence au Luxembourg, et en fait le Luxembourg n'est pas d'accord avec l'établissement de la minorité qui avait été faite par l'Italie. Donc voilà, il y a ce type de thématiques qui ressortent du film et oui, qui m'ont interpellée. L'objectif de ce règlement-là, normalement, c'est donc un objectif de célérité, c'est-à-dire pour qu'une personne accède le plus rapidement possible à la demande d'asile, à l'examen de sa demande de protection internationale, et notamment aux garanties procédurales que confère la condition d'un demandeur, enfin, quand on est demandeur de protection internationale, il y a des garanties procédurales qui doivent s'accompagner de ce titre-là. Et donc, le problème, c'est que ce qu'on entend le plus, et l'objectif qu'on entend le plus, c'est surtout, ce règlement est supposé éviter les mouvements secondaires dans l'Union européenne, c'est-à-dire les personnes qui demandent l'asile et en Italie, et en France, et au Luxembourg, et en Allemagne. Donc, ce règlement-là, puisqu'il dit en gros qu'une personne peut faire une demande d'asile en Union européenne, il repose sur le fait qu'il y a une convergence au niveau des conditions d'accueil dans tous les pays et des conditions de procédure, c'est-à-dire sur quels critères on va donner la protection à une personne. Donc ça, c'est la théorie. En pratique, la situation elle est bien différente. Il y a des inégalités dans les conditions d'accueil et de procédure. Par exemple, en Hongrie, les conditions ne sont pas du tout les mêmes qu'en France en termes d'accueil de protection internationale. C'est pareil pour l'Italie.
ça donne un système qui est contre-productif, qui ne permet pas une protection des personnes et de leurs droits. Et ça a créé notamment des personnes dans l'errance qui après vont en dernier ressort à Calais et dans les conditions que Clément a décrites tout à l'heure. Donc c'est contre-productif. Et donc dans le cadre donc, de nos permanences, on reçoit énormément de personnes qui risquent d'être transférées en vertu du règlement Dublin et on constate que dans la pratique, ça peut mener en effet à un problème de respect des droits des personnes, par exemple le droit à la vie familiale, je vais revenir tout à l'heure. C'est un monsieur un monsieur syrien qui était demandeur de protection internationale qui était passé par la Roumanie. Et donc en Roumanie, le monsieur expliquait, moi j'ai été victime de violences policières et j'ai reçu une obligation de quitter le territoire. Donc le monsieur arrive au Luxembourg, il fait une demande de protection internationale et il reçoit ce qu'on appelle une notification de transfert Dublin, donc la décision du Luxembourg de le retransférer de nouveau vers la Roumanie. Et donc, contre cette décision-là, la personne a le droit d'introduire un recours, ce qu'elle a fait. Et donc, je vais vous lire l'extrait de la décision du tribunal administratif. Donc, il avait notamment introduit un recours au motif qu'il avait été victime de violences policières et de non-respect de son droit à demander la protection internationale, comme je disais tout à l'heure. Donc, je vous lis l'extrait. Si le demandeur se prévaut certes d'éléments tenant à établir qu'il a personnellement subi des traitements inhumains et dégradants de la part de la police lors de son passage à la frontière en octobre 2020, et si les rapports cités par lui font certes état d'un risque de subir de tels traitements dans le chef des migrants tentant de franchir illégalement la frontière roumaine, et autant que ces actes sont condamnables dans le cadre de l'application de l'article 3 de la CEDH qui traite des traitements inhumains et dégradants, le demandeur reste en défaut d'établir la systématisation de tels traitements envers les demandeurs de protection internationale en Roumanie, de même qu'il encourrait un risque de subir à nouveau de tels traitements en cas de transfert. Donc, on a du mal à comprendre cette décision-là. C'est le principe de non-refoulement qui devrait jouer, parce qu'on ne peut pas renvoyer une personne dans un état où il y a un risque de traitement, inhumain ou dégradant. Ça nous pose quand même pas mal de problèmes. C'était un monsieur qui, donc sa femme, était au Luxembourg, elle était enceinte de leur enfant, et le monsieur était venu après sa femme. Donc, il est arrivé au Luxembourg après sa femme, il a demandé l'asile, sauf qu'il par l'Italie avant. Donc il était Dublin, entre guillemets on dit Dublin vers l'Italie, mais donc il avait un risque d'être transféré vers l'Italie en vertu de ce règlement Dublin. Et en 2020, on l'a suivi pour démontrer que c'était le père de son enfant. Là, il y a peut-être une petite précision. Donc les personnes qui n'ont pas de document d'identité et dont le mariage n'est pas reconnu, qui ne sont pas mariés, ne peuvent pas, donc les pères ne peuvent pas déclarer leur enfant à la commune du Luxembourg. Donc ça a donné lieu au fait que le monsieur ne pouvait pas prouver que c'était le père de l'enfant, et donc on a passé beaucoup de temps à démontrer le lien de famille de ce monsieur-là qui était susceptible d'être transféré en Italie. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, faute de certificat de mariage, en bonne et due forme, à l'insister pour nier complètement le lien de famille et nier complètement l'existence de cet enfant qui était le sien. Et donc, la dame, parce que le monsieur a été renvoyé une première fois en Italie, la dame, elle a dû vivre sa grossesse toute seule, une dame donc, qui a aussi subi l'exil, qui s'est ajoutée en plus à son état de vulnérabilité. Donc finalement le monsieur il est revenu pour la naissance de son enfant et à ce moment-là nous on l'a soutenu pour qu'il soit reconnu comme père. Et donc là dans ce cas-là le tribunal donc il y a quand même eu une décision de notification de transfert vers l'Italie, mais dans ce cas-là le tribunal a dit qu'il existait une vie privée et familiale entre les deux conjoints et leur enfant commun, et même si une cohabitation n'était pas possible, donc ça c'était parce que les personnes
considérés comme donc les hommes célibataires considérés comme célibataires sont assignés à résidence au Luxembourg. Donc ils ne vivent pas avec tous les autres demandeurs d'asile et ça faisait qu'ils ne pouvaient pas en fait avoir une vie effective familiale. Donc il était empêché de vivre avec sa femme en fait à cause du fait qu'il était assigné à résidence et en fait où il était dubliné en fait. Voilà, donc ça oui, là, la vie de famille a été ignorée complètement dans ce cas-là, et en fait, ils ont mis énormément de temps à être réunis dans le même pays, alors que finalement, ça aurait coûté beaucoup moins d'efforts de prendre connaissance du lien entre l'enfant et son père, en fait. Je voulais parler aussi, donc il y a des personnes qui, alors notamment avec, là on le ressent aussi beaucoup avec la pandémie, il y a de plus en plus de personnes qui ont des troubles psychiatriques qu'on reçoit chez nous, et alors ça a été beaucoup le cas de personnes d'origine de l'Afrique, de la Corne de l'Afrique, qui passaient par la Libye. Donc ça, on mentionne aussi dans le film, hein, la difficulté pour les personnes à expliquer ce qu'elles ont vécu en Libye. Bon, les sévices sont terribles, je ne vais pas aller trop dans le détail, mais donc, ces personnes souvent étaient passées par la Libye, puis par l'Italie. Les vulnérabilités de ces personnes-là, dues à leur traumatisme, n'étaient pas prises en compte, et le Luxembourg voulait renvoyer systématiquement, en vertu de ce règlement Dublin, les personnes de nouveau vers l'Italie, où les conditions d'accueil n'étaient pas correctes à ce moment-là. On a donc il y a une absence de suivi nécessaire, et parfois on a suivi des personnes qui reviennent pour la troisième fois au Grand-Duché de Luxembourg. Et c'est des personnes parfois qui reviennent de pays, bon, notamment la France, hein, qui a été condamnée par la CEDH, c'était en juillet dernier, conditions d'existence inhumaines et dégradantes. Parce qu'en fait, en France, les gens attendent très longtemps parfois avant de pouvoir accéder à leur demande de protection internationale et d'être hébergés dans un foyer d'accueil. Et donc des personnes reviennent pour la troisième fois au Luxembourg et en fait, la situation ne se règle jamais et ça continue et ça entretient l'errance de ces personnes. Et c'est pour ça qu'on essaye d'instaurer un plaidoyer pour dire qu'il est nécessaire d'organiser une détection des vulnérabilités des personnes et une prise en charge médicale pour ces situations-là. Alors, je voulais finir très rapidement sur l'évolution de tout ça, du cadre légal européen. Donc en septembre 2020, il y a une proposition, un nouveau pacte et paquet immigration et asile. C'est pas très positif, malheureusement. Est-ce qu'on va vers une amélioration? Bah, pas vraiment. Le but, c'était notamment de mettre en place une approche un peu plus complète, mais surtout, il y a une approche qui est un peu presque punitive, c'est d'empêcher les abus et empêcher les mouvements secondaires. Il y a notamment une nouvelle procédure, je ne vais pas m'éterniser, mais une nouvelle procédure aux frontières qui a été mise en place, donc screening process, et ça donne des situations qui sont en fait assez alarmantes. Et en fait, on ne sait pas, il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse, par exemple, quelles vont être les conditions d'accueil en fait, de ces personnes-là? Est-ce que ça va donner des camps comme a pu être Moria, comme ce qui est actuellement dans les îles grecques, à Malte? Enfin, ça pose vraiment beaucoup de questions. En plus, c'est une procédure qui peut durer 12 mois ou jusqu'à 18 mois si la personne, à l'issue de la procédure à la frontière, les autorités décident de la retourner dans son pays d'origine. Qu'est-ce qui se passe si c'est impossible de retourner ces personnes? Donc il y a plein de questions qui se posent et oui, c'est vraiment pas très positif. Et alors pour ce qui est de Dublin, il y a eu beaucoup d'espoir et c'est
en presque, pas marrant, mais enfin, on a reçu beaucoup de messages de personnes qui nous ont dit, quand Ursula von der Leyen a dit « Dublin, c'est fini », ils nous ont dit « Ah, mais vous avez vu, il n'y a plus Dublin maintenant, comment ça se fait, qu'est-ce que ça va, comment ça va évoluer ?» et en fait, le problème, c'est qu'ils ont donné un autre nom, mais c'est comme le règlement Dublin. Bon, maintenant, ça s'appelle « Asylum and Migration Management Regulation ». Bon, ils insistent beaucoup sur les mécanismes de solidarité, ce que prône le Luxembourg beaucoup, hein, et ça marcherait si tous les États allaient dans le même sens. Le problème, c'est qu'on a la Hongrie, la Pologne qui vont complètement à l'encontre de ça, et donc, oui, ça donne, on n'arrive pas à un compromis européen, et voilà. Qui sommes-nous? Alors, Euromastact est un mouvement très récent. Ça a commencé en mars 2020, l'année passée. Et il a été fondé par des bénévoles qui travaillaient avec les réfugiés dans les camps grecs, dans les camps des îles grecques, dans la mer Égée, et ils avaient en fait ressenti le besoin qu'il fallait faire quelque chose de plus grand, de faire changer les choses au niveau d'influencer en fait la politique européenne migratoire, et ils ont lancé Euromastact. Très vite, ils ont lancé la campagne Cities Must Act. Donc, ils ont un peu développer leur mouvement et avoir de représentants dans plus de 17 villes en Belgique. Alors oui, Euromastact, pas en Belgique, en Europe, désolé, j'ai dit en Belgique. Donc oui, Euromastact a plusieurs chapters, ça s'appelle, plusieurs branches partout en Europe, un peu partout en Europe. Voilà, pourquoi en fait l'Europe doit agir, comme on a vu avec, comme Clément nous a montré, la situation en Grèce, en Italie, en France n'est pas bon du tout pour les migrants et les réfugiés qui arrivent en Europe. Alors, Euromastact signifie en français que l'Europe doit agir. Il faut noter que notre mouvement n'est pas un cri de désespoir, mais c'est un appel fondé sur l'optimisme. Désolée, oui. Et on croit qu'on a une conviction profonde que les bons choix peuvent être faits, qu'une politique migratoire juste et humaine est possible, et grâce à une action collective, nous pouvons construire un monde meilleur. Un instant. Pourquoi je ne peux pas? Voilà. Alors, Euromastact a créé un rapport sur la situation dans les camps de la mer Égée. Et là, on peut voir la situation des camps des îles grecques, et on a une vue de la crise humanitaire qui est en train de se passer dans ces camps. Ce n'est pas très différent de ce que Clément nous a montré tantôt, ou de ce qu'on a pu voir dans le film. On peut voir que la crise migratoire n'est pas seulement une crise migratoire, mais aussi une crise d'empathie, de solidarité, surtout en ce qui concerne les politiciens. Alors, nos objectifs clés s'articulent en trois points, c'est-à-dire qu'on veut décongestionner immédiatement les camps de la mer Égée. Pour être
plus clair, c'est-à-dire qu'on est contre les camps actuels qui sont en train de fleurir un petit peu partout, spécialement en Grèce, et où on voit des conditions atroces faites aux réfugiés et aux demandeurs d'asile. On veut aussi remplacer l'accord entre l'Union européenne et la Turquie, car on estime qu'elle outrepasse totalement les droits de l'homme. Et pendant 5 ans, elle a été sujette à énormément de controverses, notamment liées au pushback de migrants et au fait que la Turquie n'est pas un pays sain pour les personnes renvoyées. Nous voulons également plaider pour des conditions d'accueil dignes et légales dans toute l'Europe. On estime que nous, en tant que société civile européenne, nous avons notre mot à dire. Et on a commencé le mouvement We Have Space, donc c'est-à-dire que nous, en tant que citoyens européens, nous estimons avoir de la place dans nos villes et voulons le faire savoir à tous nos politiciens. Alors, on a une action concrète en tant que la branche belge de Europe Must Act, et ça va se dérouler le 25 mars à Bruxelles, au rond-point Schuman. Donc, si jamais vous passez par là, vous êtes le bienvenu. L'événement est sur Facebook, Onde End Fortress Europe, et on veut faire savoir, donc, il y aura un sommet européen, et on veut faire savoir à l'Union européenne et aux dirigeants de l'Union que nous ne sommes pas d'accord, que la politique migratoire européenne doit changer absolument, et que c'est une honte pour l'Europe, maintenant depuis 5 ans, d'avoir conclu un accord pareil avec la Turquie. Alors, comment est-ce que vous pouvez nous soutenir? C'est très simple. Vous pouvez trouver un chapter, donc un city chapter, comme l'a expliqué Emanuela, sur les réseaux sociaux. Il suffit simplement de mettre le nom de la ville et de rajouter Must Act, et normalement, vous le trouverez. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez toujours aller sur le site europemustact.org, où vous trouverez toutes les différentes villes citées. Vous les contactez, ils seront ravis de vous accueillir et l'aventure démarre, le changement, ça commence par l'action. Ou alors, vous pouvez nous contacter par mail à belgium@europemustact.org si vous voulez rejoindre la branche belge, évidemment, ou en nous suivant sur les réseaux sociaux. Alors, on a 2 pages Facebook et 2 pages Instagram pour les francophones et pour les néerlandophones. Pour les francophones, c'est Europe Must Act Belgique, les néerlandophones, Europe Must Act Belgium. Instagram, pareil pour les francophones, Europe Must Act Belgique, pour les néerlandophones, Europe Must Act Belgium. Alors, assez ironiquement, je me trouve aussi en Belgique, donc c'est pour ça aussi que le chapitre luxembourgeois a urgemment besoin de plus de personnes qui aimeraient s'investir dans cette cause, parce qu'en fait, le chapitre luxembourgeois a été lancé par moi-même et 2 autres personnes l'été dernier, donc c'est aussi tout récent, en juin 2020 pour être exact, et nous avons lancé donc l'été dernier une pétition nationale qui pour l'instant a récolté 82 signatures, dont celle de l'association Passerelle, avec qui nous avons aussi organisé une journée d'action. Et donc cette journée d'action, voilà, tout comme l'événement de ce soir qui est excellent, sert vraiment à sensibiliser le public, parce qu'on se rend compte qu'en fait, si les gens étaient vraiment... Il ne suffit pas que de sensibiliser le public, mais on se rend très vite compte en fait qu'il y a beaucoup plus de personnes qu'on le croit qui sont prêtes et qui veulent effectivement que l'Europe accueille plus de personnes et adopte véritablement une politique européenne et surtout une politique européenne migratoire qui soit humaine. Voilà, et donc l'importance en fait, c'est que même des pays comme le Luxembourg, qui comparé à d'autres États membres de l'UE, certes accueillent plus de personnes, plus de demandeurs d'asile et plus de réfugiés. La solution est loin d'être parfaite, enfin les conditions sont loin d'être parfaites et il y a encore beaucoup trop de personnes qui se trouvent coincées. En ce moment, par exemple, il y a encore 15 700 demandeurs d'asile et de réfugiés qui sont piégés dans les camps des îles grecques de la mer Égée. Donc, on voit qu'il y a encore énormément de gens qui ont véritablement besoin d'aide. Et c'est pour ça que voilà, je vous invite à, si cela vous intéresse, à taper sur Facebook et à nous trouver Europe Must Act Luxembourg, ou de nous écrire à l'adresse mail suivante, un peu comme le chapitre belge, vous mettez juste luxembourg@europemustact.org. Et vraiment, même si vous faites que passer l'information à des personnes qui cela pourrait intéresser, on vous serait très reconnaissant, parce que c'est très important comme cause.
mais c'est difficile, n'étant pas moi-même au Luxembourg en ce moment, de continuer à œuvrer pour que les bourgmestres et les élus locaux luxembourgeois décident d'accueillir plus de personnes. Et pour finir peut-être sur une note optimiste, on voit que la campagne Cities Must Act de Europe Must Act a déjà eu plusieurs succès, car en mars de l'année dernière déjà, je pense, oui, environ en mars, il me semble, la ville de Berlin avait dit qu'elle était prête à accueillir 1500 personnes. Et en mai, ou environ en mai 2020 aussi, la ville de Gand, en Belgique, avait déclaré qu'elle était prête à accueillir 300 personnes suite à une campagne au niveau local. Donc on voit que c'est une démarche qui réussit, qui a du succès, et c'est pour ça qu'il faut absolument qu'elle continue.